Les amis, je suis extrêmement chanceux de pouvoir vous faire le showcase et les showcases du tout dernier personnage de l'année de Dragon Ball Legends, du tout dernier ultra, du tout dernier personnage payant. Regardez-moi cet artwork de fou. Goku Ultra Instinct est tombé dans la box. Je suis trop content parce que l'Ultra, ça peut des fois très mal se passer. Ça serait très bien passé de mon côté, les gars, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui m'ont suivi tout au long de l'année. C'est le dernier test du dernier personnage. Donc franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et bon, on va faire plein de vidéos avec, donc il y a plein de choses à faire. Mais c'est la dernière découverte, en fait, tout simplement. Merci à tous ceux qui m'ont suivi tout au long de l'année. Merci à vous d'avoir fait grandir la chaîne. Merci à vous d'avoir passé du temps avec moi. Je pense que j'ai dû sortir aux alentours des 300, 400, voire même 500 vidéos dans cette année. Donc c'est absolument énorme, même au niveau du taf, ce que ça demande. Mais j'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement ce que je fais et j'aime tellement que vous m'offriez la chance de faire ce que je fais au quotidien et vous rendez un homme heureux. Vous donnez un homme de 23 ans, finalement, avoir la chance de faire ce qu'il aime le plus au monde. Donc, je vous souhaite le meilleur possible durant ces fêtes. Je vous souhaite que dans votre vie, tout vous réussisse en 2024. Et en tout cas, vous m'avez permis de faire ce que j'aime le plus au monde. Donc, merci à vous, les amis. Et du coup, bah, on est parti tester ça. Je suis trop hype. J'ai trop hâte de tester ça. Parce qu'hier, on a vu son kit et on s'est dit... Oh là là. On s'est dit, aïe, 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 le perso sur le papier est extrêmement broken. De tout ce que j'en ai écouté ce matin, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va essayer de faire du mieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire, les gars, ce que vous kiffez voir comme showcase potentiellement du personnage, même si je doute qu'il y a des trucs fun que vous aimeriez bien voir. Et n'oubliez pas, les gars, le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On n'est pas loin des 45 000. Et franchement, si aujourd'hui on pouvait les atteindre, ça me fait trop plaisir. Trop plaisir. Donc, les gars, 10 étoiles. Migaté Ultra, 10 étoiles. On va le jouer en famille de Goku avec Pan et Guan Beast, une cap Z Zenkai, une cap Z HP, les supports de Pan, les supports de Beast. Honnêtement, je m'attends à du lourd ici. Au niveau des items, on a privilégié les items Blast, même si celui-là, il est également un petit peu Strike. On a full item pur ici. On a de l'item pur ici sur l'attaque Blast sur le personnage et de la défense Strike et de la récupération de ki, pourquoi pas. Et encore une fois ici, de l'attaque pure pour les ki divins. Honnêtement, on a des items vraiment optimisés sur le perso. Évidemment, il n'est pas encore Art Boost. Au niveau des stats, voici ce que ça donne pour du 10 étoiles. C'est plutôt excellent. Alors, c'est pas les meilleurs stats d'ultra qu'on ait connu, mais les amis, je pense que vous attendez que ça, qu'on parte en PVP. On va pas déblatérer plus que ça. On va aller voir la surpuissance de l'ultra instinct. Let's go. Et c'est parfait, les gars. On démarre directement face à une tournoi du pouvoir. Et vous savez quoi, on va plutôt commencer avec Gohan Beast en vrai. On va commencer avec Gohan Beast, comme ça, s'il nous attrape sur Migaté, je rappelle, il y a le fameux anti-switch qui va... j'ai trop peur, vraiment j'ai peur, et Migaté, ça... La jauge d'esquive, le fait que tu puisses pas le mettre des strikes dans le combo, va falloir vraiment apprendre à prendre en main le perso. Ça va être un perso, je pense, qui va être meilleur plus le temps avancera dans les quelques jours, parce que les gens vont commencer à le prendre de plus en plus en main, et notamment sa mécanique broken. Allez, c'est parti, les gars, animation d'ultra. En plus avec son artwork alternatif, enfin sa tenue alternative plutôt, ça rend plutôt pas mal. Ok, ça lag. Waouh, ça lag sévère. Ok, ça a pas d'écho. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, alors là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et c'est là où on va être intelligent, les gars. C'est là où on va être intelligent là-dessus. Ici, on cover. Comme ça, il va... Voilà, il va taper contre le rouge et en fait il a plus une ultime, mais l'ultime il va potentiellement le mettre contre un rouge. Donc c'est pas du tout embêtant pour nous. Par contre, ce qui est vraiment embêtant, c'est les lags du frérot d'en face. J'attends juste de voir si ça se calme ou pas. Si vous avez vu la vidéo, c'est que je pense que normalement ça se calme. On va voir un peu. Des fois il y a des lags et après ça se calme, donc on va voir si ça se calme un peu, si ça se calme pas, les gars. Et là, vous voyez, on peut tanker ça sur Gohan, donc c'est parfait. C'est parfait, littéralement, c'est parfait. Ça va un peu mieux là au niveau des lags. Ça y est. Oh bah alors là. Diren. Bon, vous savez quoi, oh. On prend le kill. Vous savez quoi, ça sera la première game. Ok, je m'arrête là parce qu'elle lag trop et je vais la quitter, la game, parce que j'ai pas envie. Je fais juste une verre pour voir un petit peu là. Ça peut-être ça passe. C'est ça l'actro. Ouais, non, c'est pas la peine. Allez,
Ça sera la première game du personnage et franchement déjà... Ok, c'est parti les gars, mon 1200 bonne équipe, j'ai un petit peu peur, Ah, ça joue Satan Héros. Oh, qui fait ça? Qui joue Satan Héros les gars? Bon bah, en face de nous ça va jouer Satan Héros, on va voir un peu ce que ça veut tenter, mais bon, on verra. Non mais Satan Héros les gars. Ça joue Satan Héros. Je crois que je rêve, J'espère que je rêve là. Il joue Satan Héros, putain, big. Fatigué. Oh les dégâts. C'est quoi ces dégâts de contre-type là? Il est 7 étoiles en face. À contre-type. Ouah, ça approche juste au bon moment, il a de la chance. Ami Maloc. J'ai pris la torpeur, non mais faut arrêter là. La torpeur c'est bon non? Bon bah là. Ok parfait. Il va détruire les cartes, il a l'immortalité donc on tue pas. Mais c'est quoi ces dégâts? Ça augmente les dégâts vu que ça approc. Et ici c'est terminé. Mais c'est quoi ce perso? Vous avez vu les dégâts calés par le perso ou pas? Je pense que ouais, vous avez vu. Je rappelle qu'ici, pour quand même rappeler le truc, je rappelle qu'à ce moment-là, j'ai le minimum de dégâts possible. J'ai pas d'Ali KO. Sinon, c'est 70% de dégâts avec des Ali KO. J'ai jamais vu ça. Gohan Beast 7 étoiles. Ok, on est parti face à Team Movie. Donc, vous avez vu, il faut absolument pas jouer de violet. Vous l'avez bien compris, si vous jouez un violet, c'est compliqué. Janemba 5 étoiles, Beast 6 étoiles, Peikuan 4 étoiles. Là, j'ai l'impression que le Migaté, là, c'est quelque chose de très, très, très grave ce qu'ils ont fait. On va découvrir ça encore et tout, mais... Ou offensivement, c'est choquant. Ok, bon, c'était sympa. Alors là, encore une fois, là, si vous attrapez comme ça, moi, je vous conseille de pas switch sur Migaté ici. Je pense pas que ce soit une chose à faire, pour le coup. Vaut mieux, voilà, vaut mieux potentiellement attraper Janemba. Comme ça, là, il ne pourra pas switch à ce moment-là. Même si Janemba, il a quand même le display sur l'ultime. Oh, le petit support. Oh, le petit support. On refait, on fait. Oh, aïe, 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 aïe. Il peut plus switch, il a perdu. Non mais c'est quoi ce perso? Invoquez. Invoquez, mettez tout ce que vous avez. Si vous voulez, enfin si vous êtes, enfin évidemment en live, mais là ce que je vois c'est... J'ai jamais vu ça. C'est quoi ce perso de merde? Ok les gars, j'ai très peur. Carnage, et eh bah ben, vas-y, tu portes bien ton nom Carnage. Alors il a un match-up horrible. Et en plus de ça, je vous le dis, hein, si j'attrape un perso, il a perdu. Si j'attrape un perso dans la game, si là, j'attrape, il a un kill. Je vois pas qui tient. Badak, je pense pas que Badak tienne. Hein. C'est hallucinant, mais hallucinant. Non, le perso va être trop frustrant, il est pas équilibré du tout. J'ai vraiment peur de ce qu'il vient de faire là. Ça me rappelle Gohan Beast à l'époque et tout. Non, j'ai vraiment premier degré, les gars. On va voir, mais. Oh là là, bah regardez. Faut qu'il prenne la bonne cover. Je peux pas.
Tu peux rien faire. Je pense qu'ils ont fait une grosse connerie. Là, j'ai jamais vu ça. Ils viennent de casser le jeu, là. Bon, en face, les gars, c'est d'atomiser Migaté. Ça joue double rouge. Et attention, parce que pour le coup, Gohan Beast, je pense que ça peut vraiment être un perso un peu chiant. Ça peut vraiment être un perso un peu chiant pour Migaté, parce que l'espé risque quand même de faire mal. Il va pas nullifier sur l'espé. Alors, vous connaissez Gohan Beast full boost. C'est pas loin du one shot à chaque fois. Donc, il va falloir faire super attention à ça. Après, on a la jauge. Mais là, jouer double rouge, c'est bien pour essayer d'éteindre Migaté, ça c'est sûr. Par contre, encore une fois, pour moi, la meilleure team du jeu, elle est avec le Tag Goku Bardock. Et jouer ça face à Tag Goku Bardock, je pense que c'est une belle. C'est une belle connerie, potentiellement. Mais honnêtement, non, c'est une belle team pour contrer la mienne. Les petits défauts, c'est peut-être accès à l'anti-cover, des fois un petit peu compliqué. Et face au rouge, ça me paraît. Alors, autant face au violet, il est incroyable. Mais genre vraiment incroyable. Autant face au rouge, peut-être qu'on a le côté où on va se dire. Faut faire très très attention. Ça, c'est bien possible. Sanu Dameda, c'est pas très grave en soi. C'est pas très grave. Alors, par contre, Perfect Dodge, ça c'est vraiment grave. Et ben, on va avoir directement la jauge qui va proc, hein, vu le combo de baiser qu'il nous fait. Excusez-moi du terme, mais là c'est n'importe quoi. C'est quoi ce combo de fou qu'il nous a mis là? Ok. On sait que ça va cover, donc on peut strike là-dessus. Non, reste là toi. Ne bouge pas s'il te plaît. J'ai encore des choses à te dire. C'est... En fait, avec Migaté, il va falloir attraper au moment. Si vous attrapez au bon moment, vous... le mec en face, il peut rien faire. Je rappelle qu'on peut mettre 3 ultimes avec le perso. Ok. Je rappelle encore une fois, c'est pas du dernier envie. Hein. C'est pas dernier envie là, Migaté. Hein. Et je rappelle également qu'il a la possibilité de nullifier lorsqu'il y a un allié KO sur l'ultime. Sur l'ultime, il peut nullifier, donc autant vous dire que. Waouh. Waouh. Pour l'instant, c'est assez dingue. Alors, bon, ça peut pas se passer tout comme les premières games à chaque fois, parce que là, face à double rouge, voilà, mais le taf qu'il fait. C'est monstrueux. Le taf qu'il fait là-dessus, il est monstrueux. Je pense que Gohan Beast. Ok, il était patient, mon jeu. Oh là là, on peut. Oh là là, c'est parfait ça. Ok, c'est parfait. On peut vert ici. Main. Oh merde, j'ai pas ma jauge. Attendez, j'ai pas ma jauge. Il s'est... Merde, j'aurais pu... Non, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. Mais j'ai fait mais n'importe quoi. Bon, on va pouvoir nullifier. Il y a un allié KO, donc on va mettre plus de dégâts. Bon, on attrape, on a gagné, mais... Je peux aussi me faire attraper et prendre cher, en vrai. Non, vraiment, j'ai abusé, là. J'ai abusé, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, contre-type face à Gohan Beast.
Aïe 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 aïe. Ah, ce que j'ai vu sur le papier, pas dans sa... Enfin, après, il est quand même bien optimisé en vrai. Pas arboost, parce que le personnage n'est pas arboost. Et je pense que j'aurai des items def sur le perso. Parce qu'en fait, offensivement, c'est défensivement. Il faut vraiment mettre full item défensif. Si tu mets full item défensif et arboost def, je pense que ça va être autre chose défensivement. Et du coup, ça va le rendre mais injouable, littéralement. Gogeta Blue, tiens, tiens. Bah alors là, voilà, typiquement, vous voyez, il démarre avec le violet. Si je l'attrape, c'est fini. Voilà, mais il a perdu. Enfin, il a perdu son perso en tout cas. Voilà. Ciao. 5 millions de dégâts. 5 millions de dégâts. Donc là, parfait. Typiquement ici, vous voyez, c'est parfait. On peut même limite se faire pas attraper volontairement, mais... C'est pas une connerie parce que du coup on va switch sur Beast, proc son ultime, ah, parfait. Rappel ici. L'assaut est vraiment trop grave. Le perso est vraiment trop grave. On a la jauge à fond. Oh, beau soin par contre. Les jauges. Pas de barrière blast, on prend kill. Continue. Bon, ce que j'en ai vu, les gars, me paraît totalement hallucinant. Alors, C17 MVP, c'est un perso aussi que tu peux potentiellement laisser se faire taper, même s'il va disparaître sur l'ultime, il va quand même prendre très cher. Les blasts du personnage, la différence entre les dégâts blast et strike, c'est absolument monstrueux. C'est normal, parce qu'en fait, dans la team, en fait, déjà, il y a une grosse stat d'écart. Vous avez eu 20 000 quand même, c'est énorme. Et vous avez les supports de Gwen Beast qui sont blast, et on a mis full item blast, donc ça, ça se comprend un petit peu. Mais par contre voilà, le seul truc, c'est que j'avoue que si tu prends une spé de Gohan Beast, tu peux ne pas être bien du tout. Parce que pour coup les spé, il va pas nullifier et il va prendre super cher. Oh les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. Parce que là ce que je vois là, je me dis qu'il y a des trucs qu'on va faire. Mais il y a des trucs qu'on va faire. Mais on va les faire, on va les faire, vous inquiétez pas, on va les faire. On va les faire ces trucs. Là typiquement c'est parfait. Ici nous lock, ok, mais face à Gohan Beast. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer le perso. Par contre vous avez vu, ah mais par contre ça rallonge de 10 secondes quand même hein. Par contre, ça quand même rallonge de 10 secondes, hein. Par contre, ça c'est fort, pardon. Je pensais que tu pouvais re-switch derrière, mais non. Heureusement, Gohan Beast, lui... Ouh là là. Bon, là, on va l'arracher. Excellent. Il perd son Migate là-dessus. Par contre, il m'enlève le kill ATP, vous avez vu, ça c'est fort. Hein. Ça, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que quand t'es en face, quand tu joues, tu t'en rends pas compte, mais ça c'est fort. Oh, il tank ça! Bah, tankiness, Migaté là. Ici, malheureusement. Ok, on va passer à travers en plus, parfait. Ok, c'est parti pour un potentiellement long combo. Je pense qu'on va mettre Migaté à un moment donné. Ici par exemple. Ah, Tokines, c'est pas mal quand même. Ah, il peut blast, mais il peut pas strike. Il peut pas spé non plus. Bien joué ça. J'avais même pas vu. Carrément, j'avais même pas vu. C'est n'importe quoi. Je savais même pas que je pouvais refaire ça une deuxième fois. Après, je crois que tu peux trois fois, je crois que c'est marqué dans le kit.
Parfait ça. Ça c'est cool les gars. Un aller KO, donc là on va récupérer des bonus. On va récupérer de la vitesse de pioche plus 2 pendant 10 secondes au lieu de 5 secondes. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Très 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 bonne nouvelle mine de rien en vrai. Je préfère ça. Comme ça derrière il va quand même beaucoup plus peiner à aller embêter Migaté je pense. Après ce combo de fou. Et ben là. Pas nous rising. Alors vaut mieux faire les cartes avant par contre. On sait jamais avec MVP mais quand je vois les dégâts je pense que c'est fini hein. Ouais. Entre les mains d'un bon joueur ça va être quelqu'un. Entre les mains d'un bon joueur parce que là je pense que je le joue même pas bien. Le pire c'est que je le joue pas très bien en soi. Allez les gars, là, ça sera la dernière game de cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, encore une fois, suivez la chaîne et on va bombarder de contenu sur ce personnage qui est monstrueux et que j'ai eu la chance d'étoiler, qu'on va pouvoir, on va pouvoir décortiquer plein de choses. On va pouvoir décortiquer énormément de choses, mais pour un premier test, forcément que c'est choquant. Ok. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Répondre à ma question, il fait quoi là? Bah il laisse mourir. Oh non. Oh alors là. Oh là là. Bon bah en fait alors je me suis fait mais c'est encore pire. Voilà. C'est quand même hallucinant. Là on n'a pas d'anti-cover mais en vrai on s'en fout. Et en fait on voit que l'adversaire il veut pas cover mais... D'accord mais le problème c'est que tu vois... Et la verte en plus qui donne l'anti-cover non mais... Bien joué. Alors sur l'ultime on nullifie ici. Donc vu que sur l'ultime on nullifie il nous tuera pas. Mais c'était bien joué ça pour le coup. Il a été patient face à Migaté. C'est moi qui me suis montré impatient. Il va pouvoir nous tabasser ici mais bon, je pense que... Ok le clash. Je peux pas perdre le clash je vous rappelle. Je vous rappelle je peux pas perdre clash. J'ai oublié ça. Et ben vous savez quoi, on a bien fait de faire cette game du coup, comme ça on le voit. Je peux pas perdre cette... Oh non, non, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bien joué ça. Bien joué ça, mais vous voyez ce qu'on a derrière. C'est... Il est pas tout seul à jouer, c'est que j'ai 3 persos dans la team. J'ai 3 persos dans la team. Todomeda. Lui sans ta attente. Grâce à Beast, il peut revenir directement perso. Là c'est juste quand est-ce que je vais. Voilà, je vais plier ça maintenant. Parce qu'ici, même avec le contre-type, le contre-type n'existe pas forcément. Je pense n'avoir jamais vu ça de toute ma vie sur le jeu. On se dit à très vite, prenez soin de vous, j'espère que vous aurez bien kiffé ce showcase très long. Et on se dit à très vite pour d'autres dingueries, mais là, full Zenkai, ça va être n'importe quoi, j'ai hâte. Ciao.